Escuchas Milatina.ca, tu punto de encuentro. Muy buenos días, mi gente latina. Nos encontramos acá con el artista plástico Gabriel Bolvary. Bonjour, Gabriel, ¿ça va? Bonjour, oui, merci, ¿et toi? Oui, merci. Donnez-nous un peu un retour rapide de ta biographie, s'il vous plaît. Oui, donc bien rapidement, ma mère est hongroise et mon père est québécois, donc je suis née ici au Québec. J'ai étudié en arts visuels et médiatiques à UQAM, puis un peu j'ai pris des cours à Concordia, puis j'ai poursuivi en fait ma pratique artistique ensuite à la fin de mes études, donc voilà. Ok, parlez-nous un peu de tes origines en tant qu'artiste plastique. Oui, donc je vais utiliser le médium, la peinture, la sculpture, la photo, la vidéo, puis ben, je vais varier en fait mes techniques selon mes choix en fait de réalisation de projets que j'entame. Ok. Je sais que tu as fait déjà des expositions dans plusieurs pays. Donnez-nous un peu comment ça a été passé l'expérience à New York. Est-ce que ça a été marquant pour toi? Oui, en fait, effectivement, New York a été pour moi une expérience extrêmement marquante. Excellent. Avec émerger. En fait, ce que j'ai préféré, c'est être vraiment émergé dans un tout, dans un ensemble avec les artistes, les collectionneurs, le public aussi qui venait en fait nous rencontrer. Donc, ouais, c'était magique. Okay. Parlez-nous un peu des médiums que tu as utilisés pour l'art. Pour l'art, bien en fait, pour les 1%, par exemple, qui sont exposés à la ville de Vaubryant dans les lieux publics, donc c'est permanent, c'est de l'acier galvanisé, okay. Et puis du cèdre rouge, ensuite de l'inox. Voilà, c'est vraiment, je dirais, un amalgame là, selon le projet souhaité. Sur quoi tu travailles à ces moments-là? Donc, en ce moment, je travaille sur deux tableaux. Donc, je prends mon temps. La première, c'est plus sur la thématique, je dirais, de la dentelle. Donc, voilà, c'est les couleurs un peu plus froides, donc mauve, bleu, un petit peu de vert. Et puis, celle qui est présentée présentement ici avec nous, c'est plus dans les couleurs chaudes, le blanc, légèrement un peu de noir pour venir rechercher des tonalités, évidemment. Et puis, chercher un genre de dynamique, ce que je fais déjà à la base. La différence, c'est habituellement, je travaille que avec mes mains. Là, j'ai utilisé des outils autres pour donner des effets de texture. Ok, parfait. As-tu aussi des créations sur l'espace public? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, j'en ai deux. Donc, la première, ça s'appelle l'arbre du voyageur. C'est 12 pieds de haut et puis 6 pieds de large. Et puis, j'invite souvent les gens à venir s'asseoir pour quelques instants parce que la thématique du projet, c'est justement de pouvoir voyager à l'intérieur de soi. C'est pas nécessaire d'aller toujours très loin pour se retrouver pour un temps de pause. Et puis, la seconde, c'est l'orbite qui s'appelle, c'est ça, orbite, qui se trouve devant une école publique. Okay. Bon, Gabriel, merci beaucoup. Et donnez-nous un petit mot pour les gens de Milatina.ca. Bonjour à tous les auditeurs de Milatina.ca. Donc, c'est un plaisir. Suivez-nous. Merci. Escuchas Milatina.ca, tu punto de encuentro.